Vous recherchez une table de pique-nique pliante que vous pourrez transporter facilement et emmener dans des endroits sympas pour prendre le pique-nique de manière un peu plus pratique en ayant quand même une table. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures tables de pique-nique pliantes qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, je vais vous présenter les modèles des mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça vous fera gagner du temps pour votre choix. On va commencer tout de suite avec la première. Et sachez que si un des modèles présentés aujourd'hui vous intéresse, il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir plus en détail un modèle ou carrément aller en commander un. Donc les liens sont juste en dessous, vous aurez juste à faire dérouler la description, la barre d'infos de la vidéo. On va donc commencer tout de suite avec le premier modèle qui sera la Rekem table de pique-nique pliante. Donc, il y aura deux couleurs, vous aurez blanc et noir. Là, je vous affiche le modèle blanc à l'écran. On aura un prix qui sera assez élevé, mais qui reste plutôt correct. Ce sera un petit peu plus cher que les autres qu'on verra aujourd'hui, mais clairement, la différence est loin d'être très importante. Des très bonnes évaluations à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 1300, donc c'est très bon à ce niveau. On aura plusieurs déclinaisons au niveau des dimensions. Là, je vous présente un modèle assez grand où c'est du 180 centimètres donc en largeur pour 75 centimètres de longueur donc d'épaisseur et 74 centimètres de hauteur, donc ça fait une bonne table hein, pour pas mal de personnes. Après, vous avez un modèle plus petit à 122 x 61 et un modèle un peu plus moyen à 152 x 70, donc vous pourrez choisir ce que vous préférez. Et comme vous pourrez le voir, ça va se plier vraiment de manière pratique. Au final, ça va former un carré qui sera vraiment assez petit que vous pourrez transporter à la main comme ça tranquillement. Donc, c'est jusqu'à 8 personnes pour le format qui est grand. On aura jusqu'à 150 kg de charge tout de même, donc c'est bien solide. Ce qui est bien pratique en table d'appoint, pique-nique, camping, table de réception ou autre. Ce sera donc une matière de revêtement qui sera du plastique et de la résine. Et du coup, vous aurez une poignée de transport évidemment, donc c'est très pratique à ce niveau. Donc, pour avoir plus d'informations sur ce modèle, ce sera le premier lien dans la description. Un deuxième modèle, c'est la Voltu table de camping pliante. Donc là, c'est une table qui sera déjà un peu plus petite en termes de taille et qui sera un petit peu mieux notée aussi également. 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 870 évaluations. Un prix qui sera un petit peu plus bas, donc c'est plutôt positif. Et vous aurez encore une fois deux couleurs. Cette fois-ci, ce sera argent. Donc voilà, gris argenté et noir. Vous aurez deux déclinaisons, 90 x 52, c'est le modèle présenté. Et il y a aussi un modèle un peu plus grand, donc de 120 x 68. Elle sera très robuste, très stable, avec des matériaux de haute qualité, légère, compacte, peu encombrante, avec une hauteur qui sera réglable entre 45 et 72 cm avec des pieds télescopiques. Donc ça peut être bien pratique pour bien vous adapter aussi aux chaises que vous allez avoir avec. Et du coup, il y a évidemment une large application pour des pique-niques ou diverses activités extérieures, hein, que ce soit une fête, un camping, la pêche, des activités, voilà, plein de choses. Donc c'est clairement un modèle très qualitatif que je vous recommande. Pour voir plus d'infos dessus, ce sera le deuxième lien en description. Et on va terminer avec la dernière, qui sera la table de camping de la marque ANBTE. Donc là, ce sera un petit peu moins cher, mais on a aussi beaucoup moins d'évolution, il n'y en a que 130. Donc c'est toujours ça, mais c'est un petit peu léger tout de même, avec un prix qui sera voilà, nettement moins cher que la Voltu qu'on a vu juste avant, pour des dimensions assez petites cette fois-ci, de 41 x 30 cm. Donc ce sera plus pour deux personnes, allez, peut-être 4 grand maximum. On aura trois hauteurs de pieds amovibles, un filet de rangement pratique pour poser voilà, des affaires, pour avoir un peu plus d'espace, c'est vrai que ça c'est quand même pas mal. Des matériaux de haute qualité avec un alliage d'aluminium qui sera plus épais, donc pas trop lourd, etc. Et on aura une limite du poids supporté à 30 kg. Donc c'est aussi une table qui peut être intéressante si vous voulez un modèle qui est vraiment plus petit. Vous verrez la taille que ça fait une fois qu'elle est pliée, c'est vraiment très petit, ça pourrait rentrer dans un sac à dos. Donc vraiment intéressant également. Et on a maintenant terminé pour ce top 3, donc comparatif des meilleures tables de pique-nique pliantes qu'on peut retrouver sur le marché. Donc s'il y en a une qui vous intéresse dans cette sélection, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez en commander une ou aller voir plus d'informations, vous aurez juste à cliquer.
pour aller voir ça plus en détail si vous voulez voir les prix exactement, constater vous-même les évaluations clients, voir plus d'images, plus de détails, etc. Au moins, pas la peine de rechercher les références produites par vous-même. Vous aurez juste à cliquer. Et moi, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour votre choix. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube Bien Chez Soi. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. À très vite et à la prochaine. Allez, ciao!